Le premier Boeing 737 MAX a pris son envol depuis Renton, près de Seattle, un mois et demi après la sortie d'usine du premier exemplaire. Décliné en quatre versions, il représente à lui seul plus de 60% du carnet de commandes civiles de Boeing. C'est son plus grand succès commercial. Son concurrent, la 320 Neo d'Airbus, a été lancé 10 mois plus tôt.